Épisode 2 de Rokunsa, je crois que c'est ça. Donc j'enchaîne les épisodes, hein, c'est pour ça que je ne sais pas, finalement, je ne sais pas. Donc voilà, donc bienvenue sur cet épisode 2 de Rokunsa. Donc gros désir actuellement pour les fours qui sont en train de cuire du fer qui a encore changé, de look. Tout a changé de look, c'est incroyable. J'adore ce que vous faites les gars, continuez à faire Minecraft. Alors, du coup, on a de quoi faire des petits outils, hop, donc il y a un stick qui est tout seul, ça me stressait. Attendez, on va faire épée plus pioche pour l'instant, hop, hop, hop. Avec 10, on va faire un petit saut, des jambières, très bien. Attends, je recommence à voir un petit peu mes habitudes. Alors, le saut, nouveau saut est dégueulasse. Le nouveau saut est dégueulasse. Il s'agirait de changer ça, les potes. Hop, 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 il ne manque que le plastron, c'est pas très grave. Du coup, il y avait du fer encore ici qui était caché. On va continuer à en prendre un petit peu. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler aussi d'un petit sujet qui me tient à cœur et dont je suis attristé. C'est le décès du youtubeur Etika, qui est donc arrivé il y a très récemment, à l'heure où je vous parle. Je n'ai plus la date en tête, mais voilà, je trouve que c'est un truc dont on parle très très peu dans le YouTube français. Parce que finalement, cet homme n'était pas si connu que ça en France, ce qui est clairement grave, parce que c'est un homme qui faisait du contenu très drôle. Même si honnêtement, d'un point de vue technique, ces contenus n'étaient pas en plus ultra travaillés, parce que c'était surtout du rediffusion de live, etc. Mais Etika était vraiment une personnalité très forte dans le domaine Smash Bros, mais aussi dans le monde Nintendo en général. Et vu que je suis très fan Nintendo, ça me touche particulièrement. Et donc voilà, je voulais juste dire le décès d'Etika, chose je pense la plus triste arrivée au monde YouTube depuis un petit temps. Parce que quand même, ce n'est pas un YouTuber comme les autres, c'est quand même une très belle personne. Et voilà, donc là je viens de plomber l'ambiance des débuts de l'épisode, super. Alors, parlons d'autres choses du coup, parlons cinéma un petit peu. Là où je vous parle, je vais voir le film Le Dain tout à l'heure, donc avec Jean Dujardin et avec par Quentin Dupieux. Donc ça ne peut être qu'un bon film finalement. Donc une petite comédie d'1h17, donc c'est très court, donc je pense qu'ils ont bien fait les choses. Parce que je sais pas ce que vous savez, mais beaucoup, enfin le cinéma aime beaucoup avoir des cahiers des charges durés. Genre un blockbuster Marvel ne pourra jamais faire 1h30, 1h20. Parce qu'il faut toujours qu'il fasse 2h, 2h10. Parce que de 1, l'histoire est toujours un peu plus fat à raconter qu'une comédie française. Mais parce que voilà, il faut aussi que ce soit, qu'il y ait cette image gros film. Alors du coup, c'est toujours du plaisir et du bien de voir un petit film court comme ça. Qui de base, enfin, voilà, c'est court parce qu'on est habitué à du long. Mais en vrai, c'est déjà long, 1h17 pour un film, en tout cas à faire. Et voilà, et du coup, le Dain, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je dis, il y a du jardin et c'est avec Dupieux. Enfin, non. C'est de Dupieux et il y a du jardin. Et j'ai fait, d'accord, j'achète direct mes places. Donc voilà, donc très. J'espère que ça sera sympathique. Au pire, si j'ai le temps demain, quand je reviens chez moi, de faire un ou deux épisodes de Rokunsa, j'en ferai un. Non, Rokunsa, excusez-moi. Putain, je ne sais plus ce que je dis. Eh bien, j'en ferai un. J'en ferai un pour le plaisir et pour vous parler du film aussi. D'ailleurs en 2019 on a eu pas mal de sorties de films vraiment sympathiques. Je pense par exemple à moi, Rocketman, hein, que j'ai beaucoup apprécié. Bon, Avengers Endgame que j'ai forcément apprécié, que je suis allé voir 21 fois au cinéma pour vous dire à quel point j'ai apprécié ce film. Mais voilà, parce que c'est fanboys, mais en vrai Rocketman je pense que pour l'instant c'est le meilleur film que j'ai pu voir. Je n'ai pas encore vu Parasite qui, voilà, est pas un réalisateur, j'ai oublié toujours son prénom, mais qui est pas un réalisateur de génie, celui qui a fait Okja en 2016 d'ailleurs. Et Bong Joon-ho, je crois. Je sais plus du tout. Peut-être que je viens d'écorcher un prénom et que c'était à moitié raciste du coup. Mais ouais, non. Non, moi, ce réel que j'aime bien quand même, qui fait des trucs pas mal, qui du coup sort Parasite, hein, qui a l'air de tout exploser en termes de critique. Et je pense que c'est normal, hein, le mec est le genre de gars qui fait des films qui sont généralement incroyables. Donc voilà. Je n'arrive pas à me battre, c'est ça qui est ouf. Hein. J'ai perdu tous mes skills en PVP 1.9, parce qu'on en a pas 14. En tout cas, voilà Parasite qui a l'air excellent, et du coup je n'ai pas pu voir malheureusement, et je suis grave déçu. Putain, une surprise française que j'ai revue hier soir en DVD, c'est Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Il était vraiment incroyable celui-là par contre, enfin incroyable dans le sens où genre, je n'y croyais absolument pas ce film, et voilà qu'il est sorti et qu'il est juste fou en fait. Genre j'adore absolument ce film. Les vannes font pas, enfin quand tu connais un peu Nicky Larson, car je connais un peu Nicky Larson, enfin, en fait c'est vraiment comme l'animé français, je dis bien français, parce que bon, en vrai City Hunter c'était pas comme ça, mais Nicky Larson en tout cas ouais, c'est vraiment comme le dessin animé, et les références et tout, j'ai adoré. J'ai pris mon pied,
Et du coup, hier, j'ai vu l'info comme quoi Nicky Larson 2 serait en préparation. Et là, je vous dis un truc, c'est que je suis full hypé pour un second Nicky Larson s'il est aussi bien fait que le précédent, le parfum qui fuit. Donc. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'être un présentateur BFM TV quand je parle. De l'or un peu, j'oublie de l'or tout le temps. En tout cas, voilà, j'apprécie énormément Philippe Lachaud, enfin la bande des Fifi en tout cas. C'est Philippe Lachaud avec... Je sais plus le reste de la team, hein, mais voilà. Philippe Lachaud en tout cas, que j'aime particulièrement. Oulala. Hop. J'en ai plein de fer parce que du coup là je sens qu'il y a du diamant, donc autant me focus sur le diamant. J'ai loupé la MLG, c'est pas... Quoi? C'est quoi ces particules de mort? On s'en branle. Oh là là! Tous les PC discount en sueur. Je pense à Rizeux qui a un PC de merde qui va devoir, qui devrait laguer à ce moment-là à chaque fois. Wow! Hop là. Allez, parce que moi je me concentre un petit peu. Je reçois des messages par rapport à d'autres trucs. D'ailleurs, aussi, cette information hein, comme ça, sympathique. Si la série vous plaît, si vous, ça vous plaît de revoir du Minecraft, enfin, ça vous plaît. Si ça te plaît, toi, le seul viewer de la série, je pense. Car oui, Connect Pouka, c'est une chaîne qui est morte depuis pas mal de temps, hein, on va pas se mentir. Si ça vous plaît, du coup, cette petite série, si vous voulez des jeux à la Diamond Hunter et tout, comme à l'époque, franchement, demandez. Moi, ça me... J'aimerais en faire, mais je sais pas, en fait, où les mettre, qui les regarderait, etc. Donc, n'hésitez pas à en demander si vous appréciez du Minecraft encore. Et quel format vous voulez que ça prenne, hein, si vous voulez que ce soit comme avant, ou que ça soit... je sais pas, modé... C'est ça, car c'est possible maintenant le modding. Excusez-moi, du coup, je suis en train de défoncer le zombie en me faisant défoncer le fion aussi. Ah, mais les snipers maintenant, eux. Voilà, voilà. En fait, ok, c'est bon, j'ai repris la main. En fait, faut pas attendre que ce soit vraiment chargé à bloc. Tu peux aussi taper, genre quand c'est chargé aux trois quarts, ça fait. Pas mal de dégâts aussi. Au niveau cinéma, X-Men Dark Phoenix, pire film de l'année. C'est le mec qui balance directement. Ouais, non, j'ai vraiment pas du tout aimé X-Men Dark Phoenix. Je sais que certains l'ont aimé et que du coup, voilà, c'est compliqué pour vous. Mais j'ai me senti insulté en tant que fan d'X-Men. Ce qui n'est pas normal, hein, je devrais pas me sentir insulté. Mais c'est le cas. Très triste de voir ce que la Fox ont fait au Dark Phoenix. Mais bon, hein, que voulez-vous hein. Que voulez-vous, ce n'est pas très grave. Hein. Du coup, attendez, petite pause de message. Mais ouais, Dark Phoenix, c'est un film que j'ai vraiment pas aimé du tout pour plusieurs raisons finalement. Mais voilà. Les raisons, c'est simple. Hein. Les personnages rushés, l'histoire qui a été reshoot 800 000 fois, etc. Et pourquoi mon perso fait des trucs bizarres? Il fait des trucs bizarres dans l'eau. Mon perso fait des trucs bizarres dans l'eau. Ok, attaque, un peu de lapis lazuli. Ok, nous sommes à 8035 d'épisode. En fait, c'est ultra rapide pour moi de faire ces vidéos-là. En fait, je filme juste et je mets en ligne directement sans montage. Voilà. Ok, il n'y a pas de diamant ici, sérieusement. Oui, je m'en branle. Hein. C'est assez fou, mais je... Pétez-moi dessus, je m'en fous. Vu qu'on n'est pas en UHC, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de soucis. Dans quelle couche là? On est en couche... Attends, c'est où? C'est là. Oh, attends, d'accord, c'est pas ouf. Putain, le F3, je me suis perdu là devant. Ok. Je sais pas du tout. Il n'y a pas de diamants aux horizons. Même si en vrai, on n'a pas besoin de diamants pour l'instant, parce que tout ce qu'il nous faut, nous, c'est de quoi faire une maison. Bah si, ce serait bien quand même d'avoir un peu de diamants. Avoir un peu un poco de diamants. Je vais prendre la restante vite fait. Mais je n'en trouve pas. Pourquoi? Que se passe-t-il, Pouka, là? Et donc... Normalement, tu trouves toujours des diamants, là? Pourquoi tu trouves plus rien? Ok. Ah, ici! J'aime bien les murs de partout.
Oh, cassez-vous. Cassez-vous. Ah. Très bien. Voilà. Une bonne chose de faite. Voilà. Émeraude. Putain, j'ai cru que c'était du diamant. Je fais. Et non, pas du tout. C'est dommage. C'est dommage. RIP le diamant. Y'a vraiment rien là? RT quoi? Attendez, je. Je veux l'enculer lui, voilà. À coup de hache. Ta-ta-ta-ta. Attendez, hop. Mais du coup, y'a aucun diamant dans les horizons. Je vais essayer de miner par ici. Hein. Minons à l'aveugle. On va se prendre les diamants rapidement parce que là. Nous allons vite nous faire chier autrement. Je suis con, c'est pas du tout. Hop là. Là. Allez, trouvons de quoi diamoniser un petit peu là parce que ça me saoule. Pom, 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 pom. Voilà, on s'est vite chier par contre. Hein. C'est assez ouf comment on se fait vite chier. Hein. Je sais prendre du flint aussi un petit peu. Ouais, bah c'est pas... Ah, flint. Bon, je pense qu'on a assez de gravier pour farmer le flint plus tard. C'est le flint qui peut servir à faire des briquets. J'en ai déjà un, donc c'est bon. D'ailleurs, hop, 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 voilà. Pour le nether, parce que bon, pourquoi pas... Voilà, l'épisode 1, c'est un épisode vachement à l'extérieur. L'épisode 2, c'est un épisode qui est vachement à l'intérieur, enfin dans les grottes. Je vais faire en sorte que le troisième soit un épisode vachement axé nether. Pour pas que ça devienne un peu ennuyant. Ce serait dommage quand même pour vous. Ouais, ouais, ouais. Et après, je sais pas où est-ce qu'on ira. Je sais pas du tout s'il y a des trucs qui diffèrent vraiment. Autre part. Je crois que l'océan a été modifié aussi. Je sais plus du tout. Je crois que non, ça c'est un mode. Je sais plus pourquoi. Non, je sais plus du tout ce qui se passe dans la 1.14 malheureusement. Je n'ai aucune idée des... C'est quoi, y a pas... Qu'est-ce qu'il y aurait à faire ici? Des trucs que je ne saurais faire. Mm-hmm. Non, il n'y a pas tout. Ils mettent pas tout, malheureusement. Faudrait que je sois en créatif pour voir tous les nouveaux objets qu'il y a. Voilà. Excellent, ce qui se passe. D'accord. Donc là, je suis déçu. Est-ce qu'on va utiliser ça? Paf. Très bien. Cimer, chef. Hop là. Allez, on espère avoir un diamant, parce que là, ça me saoule. Objectif diamant, et dès qu'on a un diamant, nether. On n'a pas de canne à sucre. On n'a pas de canne à sucre. Putain de merde. Putain de merde, ça me saoule, ça m'énerve, ça me saoule. Là je commence à être... Ok. Bon, au moins il y a ça. Au moins il y a le diamant. Ce qui est déjà pas mal. J'espère qu'on aura plus de... Ah c'est bon. J'ai peur qu'on n'ait pas assez, donc... Ouf, et... Diamonds, mes couilles. Ok, très bien. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir reprendre de la pièce de vie, remonter à la surface, prendre la canne à sucre, redescendre et aller au nether. Fouh. Eh, c'est un bon programme ce qui est prévu là quand même. Ah, j'entends des bruits de grotte. Ok, ici. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mon perso fait? Il y a une posture étrange. Oh là, attends, mais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon perso. Mais qu'est-ce que. Ça va me surprendre ce qui s'est passé. Mon perso a commencé à faire je sais pas quoi là avec son corps. Ah, je sais. Mais non, mais j'ai. Ok, swimming hall. D'accord, bon, je ne sais pas ce que c'est tout ça, c'est pas grave. Allez. On a quelle couche là? On est trop bas pour monter comme ça. Donc on va remonter par ici, tiens. Très bien. Donc, prochain épisode, cherche canne à sucre, voilà. Et bon, je vais du coup remonter en off, je pense. Entre deux épisodes. Allez, du coup, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi cet épisode. Et on se retrouve tout de suite pour l'épisode 3 de Rockensa. Je crois. Allez. Salut à tous.